dit, mesdames et messieurs, les timoun mande gombo chaud ou mettez l'en déplamé. Et timouche qui trop vivant, qui trop chaud, qui trop en l'air, nous connaissons qui côté le mourir. Nous pas même besoin citer dans vidéo ça. Et bien, mesdames et messieurs, tout temps proverbe ça, on a raconté là, c'est juste pour nous rentrer dans nan information que nous portons pour dans vidéo ça. Ariel Henry, pas gain l'espoir encore, c'est fini. Et là, nous dit c'est fini, oui, c'est fini, parce que tout autant que pas gain une décision qui prend pour pays, Ariel Henry, monsieur pourquoi qu'a rentré en Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, il faut que nous disions Ariel Henry côté monsieur, c'est comme si son nez qui est en prison et monsieur sous surveillance en FBI, 24 ans sur 24 ans, même dans le téléphone, monsieur pas gain accès à parler. Oui, nous allons vite avoir des informations dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs. Parce que nous portons des détails pour vous, nous portons, et bien, dernier point qui a fait actualité dans le dossier Ariel Henry. Ariel Henry, plusieurs accords sous accords, fait moun vin nan chita parler, dit, je nous en solution pour payer ça, monsieur oule tout moun nan sinistré, pour ne pas même dire nan farine. Monsieur oule tout moun nan sinistré, tellement pouvoir goun nan bouche li, monsieur flesse li pour rete, ap commander pays ça, qu'il pas même ka commande ya, a pas de gaspiller l'argent pays ya avec André Michel, avec Majorie Michel, Rosemila petit frère, ancien magistrat Villa Caye. Eh bien, Ariel Henry, qui lui-même sentit tellement de pouvoir, il quitte le pays. Et depuis le samedi, il n'est pas qu'à rentrer en Haïti. Et pas oublier, depuis 7 février 2024, Ariel Henry n'est pas premier ministre encore. Et c'est une raison qui fait jodi à la, il a kembe monsieur l'autre bois, Porto Rico, comme un simple civil, parce que monsieur n'est pas premier ministre encore. Et Blanc compte ça très bien, parce que monsieur était en signé un accord qui dit 7 février, la baille pouvoir. Et bien, 7 février passé, Ariel Henry, monsieur pas premier ministre encore. Oui. En vidéo, ça, nous allons inviter tout détail avec Louko Desi qui va dire nous comment ça est. Parce que bagaille est vraiment compliqué pour premier ministre Ariel Henry ou bien pour ex-premier ministre et puis le ministre intérieur tout dans le pays. En rien, pas le pays, il y a les deux ministres à la fois. Et bien, mesdames et messieurs, en autant de vous plus de détails, comment bagaille a déroulé pour Ariel Henry, Naptoun. Qui lui-même, c'est lui-même qui gagne. Et le corps, comment dire, le corps groupe, c'est avec, oui, corps groupe, Bini, non, c'est deux bas différents. Bini, c'est national. Yeah. Corps groupe, c'est corps groupe. Corps groupe, c'est plusieurs ambassadeurs. Parlez dans le micro. Bini, c'est Nations Unies. Non, corps. Ok. Qui devait soumettre une proposition hier, n'ont pas pu le faire, nous précise notre contact. Ajoutant qu'Ariel Henry est toujours à Porto Rico et restera là-bas jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Ariel Nocho! Ariel Nocho! Est-ce que là, on va tourner dans même ça qui est passé avec Jean-Baptiste Aristide et Raoul? Oh, ok, nous classons. Il est possible même, en nous étant vigilants, il est possible même que plus tard, là, jeudi à la même, pour que Ariel, effectivement, eh bien, t'a adressé, pour t'a adressé à la nation, au sujet des démissions, mesdames, messieurs. Parce que c'est sûr et certain, nous connaissons techniquement. Pendant que je parle avec nous là, nous mettons deal. Ariel, c'est dans le prisonnier. Ariel, sous contrôle FBI, pendant que je parle là, dans Porto Rico. Qui ça veut dire? L'autre de dire sous contrôle FBI, ça veut dire que pour Ariel, à la cuisine, pour la paix, pour le côté de la pour pas dire c'est FBI qui a géré là. C'est FBI qui a contrôle tout déplacement, tout mouvement qu'elle a fait, soi-disant, dans la chambre qu'elle est là, pour pas dire dans la chambre hôtel qu'elle est là, pour qu'on y a là, comme elle est ça, c'est prison, mesdames, messieurs. C'est pas l'autre bagaille. Évidemment, nous pourrons le détailler pour vous, nous pourrons voir plus de détails, puisque, Gampilan nous a posé cette question, mais dans qui pays, qui côté lié, ben, j'en nous dis, c'est Porto Rico, nous pourrons le détailler pour vous, nous connaissons techniquement, il était déjà prendre la parole, il était techniquement supposé aller en Jamaïque, mais Gampilan chance pour que Ariel parle en Jamaïque, parce que dans le cadre de rencontre qu'il doit faire avec la CARICOM, eh bien, le grand fait, d'après info que vous venez de nous via vidéoconférence, évidemment, nous pourrons voir plus de détails. Dis-moi, Jean, que nous t'ai parlé matin, nous t'ai parlé par rapport avec pression. Nous connaissons et qui t'a fait la CARICOM et les États-Unis, mais jusqu'à présent, pendant qu'on a parlé là,
Ariel Henry toujours trouvé lui dans Porto Rico. Tenez bien, Ariel toujours trouvé là dans Porto Rico. Pour faire qui ça? Ariel toujours surveillance FBI. Eh bien, vous mettez Ariel yon côté jusqu'à présent, lui sous contrôle FBI. Eh bien, nous connaissons si c'est sous contrôle FBI Ariel. Ça veut dire où est son monde qui va priver de liberté, son monde qui cache son côté. C'est un monde, mais comment dire, ils n'ont pas quitté, sont-ils sous haute surveillance. Sécurité est là, a bien dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et bien, tout le détail encore qui va venir, on va jamais connaître pour qui ça, FBI, ils ont toujours qu'aimé Ariel Henry. Et on va dire Ariel Henry qui toujours. Porto Rico, gagne fort chance pour parler de Jamaïque. On va aller jeudi mercredi. Mais Ariel Henry qui est entretenu avec mon carré comme yo, par visioconférence. Ariel est logé dans le bâtiment côté il y a surveillé et en charge par FBI. La palais, Ariel Henry qui va passer en plus jour dans un de Porto Rico selon information que nous avons. Elle dit, fini Ariel en Haïti, li pa pou demain, li pa pou jodi an, ça veut dire, ouais, Ariel Henry, qui toujours Porto Rico, sous surveillance, n'a pas FBI, sous surveillance, n'a pas nous avons dit, les États-Unis, eh bien, nous pas connaît. Pour que ça, Ariel, sous surveillance FBI, nous pas connaît, mais jusqu'à présent, Ariel Henry, prend n'a pas là, il sous votre surveillance, et Ariel Henry, comme plusieurs jours, non Porto Rico, du. Bon, oui, effectivement, et bon, en tout cas, c'est sûr et certain, mesdames, messieurs. Jean-Nou commence à détailler pour moi. Parce que, l'entendez que, ou sous surveillance FBI, son façon de parler, mesdames, messieurs, son façon pour dire que, ou pas libre, ou pas à l'aise, ou pas de ma parler avec nous là, Ariel pas foutu pour un téléphone, pour le dire après Léon de Michel. Ariel pas foutu pour un téléphone, pour le dire après les madame petite, il pas capable de faire ça. Oui, comment relève ça, mesdames, messieurs? Yo relève ça prison, prison de luxe, c'est non prison que monsieur est là actuellement. Ariel pas à l'aise, Ariel pas qu'à faire ça, le même si Ariel t'a voulu aller dans la toilette, excusez-moi, il pas qu'à aller sans autorisation. Comment relève ça? Yo relève ça en prison. Ariel pas qu'à faire ça, le évidemment, nous connaissons plusieurs raisons de ça. Nous pouvons même entrer dans le dossier l'homme président Jovenel Moïse, puisque nous connaissons que techniquement, monsieur lui-même, il a déjà bail lettre de démission, il a adressé. Pourquoi on en a parlé là? Est-ce qu'il a déjà fait vidéo ça? Oui ou non, pourquoi il y a des gens qui ont trop de détails sur ça? Probablement le fait, mais mesdames, messieurs, nous avons plusieurs articles, plusieurs documents qui ont signé là, plusieurs paroles qui ont dit là, concernant bon côté département d'État, bon côté administration Biden, non, ils ont dit qu'ils n'ont pas de forcer Ariel pour le démissionner. At moi même, puis ou même, mes amis, il faut nous ouvrir les yeux tout. Il n'y a pas d'argent dit qu'ils ont forcé Ariel. Il n'y a pas d'argent dit, nous tous, nous connaissons ça déjà, mais c'est sûr et certain, Ariel pas mettre. Tête là, même on a parlé là, FBI gagne contrôle li et nous population, nous va même bien faire sondage population pays d'Haïti, on est déjà content. Si on était tout Kembel pour nous net, Kembel tout prend direction prison avec lui. C'est ça lié, c'est pas l'autre bagaille. Mais j'en nous dis, c'est sérieux, l'autre de FBI dans le dossier là, c'est pas un petit bagaille comme ça. Yo pas protéger Ariel, yo pas gagner Ariel comme si parce que ce soit des premier ministre, c'est parce que le t'a fait travail. Non, yo gagner l'autre dossier sur Ariel, c'est raison ça qui fait que pour qu'on est là, li sous haute surveillance, yo pas Ariel parce que yo connaît ville menacée, soit disant peuple haïtien capable venir tuer l'autre monde capable venir tuer l'autre. Non, c'est pas protection, c'est pas dans cadre protection ça, c'est l'autre protection. Ariel pas à l'aise, Ariel pas libre pour t'a faire ça le mesdames messieurs. Est-ce que nous là? Et là, Jimmy, pendant qu'on va parler de ça, avant de nous arriver sur la question des États-Unis, le même qui pense qu'il y a joué mesdames avec Ariel Henry, je pense qu'il y a fait jouer mesdames, mais Jimmy, nous-mêmes, nous sommes très prudents. Pas bien, c'est même pour parole, Maison Blanche, qui était devant le côté Ariel, et vous avez joué dans un autre, les surveillance FBI. Ça veut dire, il faut nous très prudents avec les États-Unis, avec les Américains. Pour jouer, mesdames, là, tout de même, parce que hier, yo te dit, on côté Ariel, je dis à outre, y a parlé de Ariel, mais il a contrôlé par FBI, ça veut dire les États-Unis pensent qu'on va passer Haïtien non visible. Gouvernement dominicain confirmé États-Unis avec Haïti, et États-Unis avec Haïti, yo te demandé 4 à 7 mars, 2 fois, si Ariel Henry est capable d'atterrir dominicain pour un séjour indéfini.
gouvernement réclamé un plan de vol défini. Mais je ne vais pas oublier la vie dominicaine qui met son note dehors. Yo dit ça fait pas de recevoir Ariel Akayon. Ariel qui m'a dit pour le capable. Et bien, venir en République dominicaine, il n'y a pas de prévoir combien de jours la fin. Il n'y a pas de prévoir ça la vie réglée. Et bien, ça devient mettre eux-mêmes en difficulté pour que les pour te recevoir Ariel Henry déclaré Roberto Alvarez en ministre Affaires étrangères en République dominicaine. Parce que je dis, il n'y a pas de problème pour Ariel de descendre. Nous allons parler au niveau de la République dominicaine. Mais le plus gros problème que tu as gagné, c'est parce que Ariel, et bien, c'est, Ariel t'a fini, et bien, dans le cas imprévu, même si vous, et bien, vous, même pour que tu parles, il y a une grosse difficulté pour être capable de recevoir Ariel. Là, quand vous dites, là, nous pensons que nous restons l'autre bagaille qui a parlé. Mais nous avons plusieurs, et bien, gros tête dans le pays États-Unis. Par exemple, nous avons Linda Thomas, et bien, qui m'a Ariel Henry pour aller vers l'avant. Nos processus politiques et que l'autre déclaration qui fait. Mais je m'arrête aux États-Unis qui posent ambassadrice. Et bien, États-Unis, Linda Thomas, et bien, elle m'a dit. Et bien, Premier ministre Ariel Henry, si est-ce que l'a démissionné, lui répond ça, nous demandons pour les Haïtiens, nous demandons pour le pousser pour plus devant, pas oublier ces diplomates, mais il n'y a pas de jambes, oui ou non, est-ce que je demande à Ariel Henry pour